Les gars, aujourd'hui, levé un petit peu tôt puisque c'est l'arrivée de Pidi, on va chercher Pidi. J'y vais avec mon frérot sur Saïd et regardez, il s'est rendormi après son réveil. Sur sa tête, il y a la trace de ses couettes et tout. Il a la tête dans le cul, wesh. Ouais, j'avoue. Donc ouais, là, on va à l'aéroport, on va récupérer Pidi et puis voilà, on verra. La famille, on lâche pas les refrains, on lâche pas la famille, on lâche pas le... Je suis mort, putain, ça tue. Regardez qui on trouve. Hello. Ça va? Salut, ça va? Meg, enchantée. Ça va, j'étais pas trop longue? Non, ça va, super. Ouais, mais ça fait trop, genre on m'amène dans un van privé en mode c'est la candidate secrète, genre. Ouais, c'est la candidate secrète de Secret Story, attention. Ça va? T'es pas arrosé ou quoi? Ouais. Hello. Ça va? Il est là le Mich. Ça va comment tu frérot? Il est en tenue la reine du Maroc. Ça va? Ça va gros? On va aller réveiller Inox. Ouah! Inox tag. Ça va? Ça va mec? Ouais, ça va et toi? Je fais une grasse mat toi dis donc. Ah ouais, je suis trop bien. Bah c'est bien GG hein, pour ta petite musique là. Code créateur Valouze. Les gars, best prank ever. Franchement, c'est l'un des plus beaux pranks que j'ai vu depuis la villa des Croutons. Je t'accorde ce point-là, Inox. Ah, c'est le plus beau, là. Simplement, tous les soirs, voilà, je fais mes montages, tout ça. Et hier soir, il y avait que moi et Inox encore levé. Et apparemment, pendant que je suis parti, t'es venu sur mon ordi, il a modifié un petit truc. Regardez ce qu'il a modifié, en fait. Quand c'est mon code créateur, il a changé, il a mis Inox 5, c'est fou. Et je l'ai pas vu, je viens de plot la vidéo, là, maintenant, sur YouTube. Je peux plus faire marche arrière. Les commentaires ils vont se dire mais il t'a le boss. Eh, franchement Inox celle-là je te l'accorde parce que j'avoue j'ai regardé 3 fois la vidéo avant de l'upload. Hein. Je l'ai même l'intro pas... tu l'as regardé. Bah je pense que je l'ai passé tu vois. Ouais. Je la passe parce que je la connais par cœur. Ouais. Oh elle est belle, franchement elle est belle. La réaction elle était insane. Babacam 75 mon gars sûr. Non Valouze. Putain. Ce matin il s'est réveillé en retard, il avait la trace des oreillers et tout mais sur sa tête gros, ouais. J'étais mort. Ah oui, il va aller à l'aéroport là. Ouais. Mais je te jure que ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit écoute, j'aurais dit au van, vas-y bonbon, prends une pancarte. Et puis fin. Mon gars Valou, je pouvais pas lui faire ça. Ça c'est le gars sûr les gars. Non, mon gars Valou, c'est fou. Il était, je voyais hier, ses yeux ils pétillaient. Il savait sa femme à l'arrivée. Ouais, non, ça pétillait, je dis non, faut que je sois là dans ce moment. Je suis rentré dans le van, je me suis couché frère. C'est vrai hein, c'est vrai, il a dormi. Ah ouais, je me suis couché. Code créateur Inox Tag. Aïe. Situation tendue pour El Busito de la Muerte. Aïe. Ah, je suis trop nul. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Oh la vache! Putain, ça m'a cassé. Et franchement, si l'écran est encore en vie, gros. Fousil a mis une patate dans son écran, gros. Il est tombé par terre. Il a fait tomber le PC d'Inox Tag sur les gens. Quoi? Non. Il a fait. Fousil, faut ma GoPro. Ouais, je vais la chercher. Mais casse la paste. Le mec qui maintenant, pendant toutes les vacances, on va lui dire ça. Vas-y, fais attention à mon téléphone, hein, casse-le pas. Hey, je te prête ça, mais casse-le pas. Hey, t'es trop fort, gros, tu filmes tous les meilleurs moments. Est-ce que ton titre, ça va être le bouseux? Le bouseux pète un plomb, ah, là. Ah ouais, bah ouais. Mais attends, mais son écran, il a rien. La vie, il a mis une patate, gros. Il a rien. Il a rien du tout, son écran. Il a rien du tout. Vive Acer. Attends, mais. Mec, là, c'est plus Acer. Tu verras la chute. Là, c'est Rhinoshield, là. C'était vraiment violent. C'était violent. J'avais même pas vu que tu filmais enculé, va. Mais là, la fois d'avant, c'était mon clavier et j'ai cru que j'allais l'exploser contre le mur. Le baptême de l'eau. Michou. Inox tag. J'ai un petit truc mais il arrive pas droit, mais regarde. Oh elle est belle. On a peut-être pas vu la cam, mais elle est belle. Je pense pas que c'est beau. Mais pour un débuteur c'est pas mal. Bah comparé à lui. Comparé à lui c'est beau quand même. Attends mais il a lancé où? Oh non. Le fameux trou.
Je te jure, ce trou, il attire tout. Venez les gars, attrapez. Merci. C'est un orageux. T'es un bâtard, hein. T'es un bâtard, il profite de moi pour faire des vues. C'est bon, petit rageux. Pourquoi la vie? Parce que quand Satan a chié, son caca a explosé et ça a créé la vie. Bon bah maintenant tu sais pourquoi la vie. Pourquoi tout le monde dit que j'écris mal? Bon, je sais pas, moi je trouve que t'écris mieux. C'est quoi le 5e degré? Les gars, nouvelle mission prank. Michou a laissé son PC ouvert. Vous connaissez la règle. Quand quelqu'un laisse son PC ouvert, c'est un karma instant. Regardez les gars, on va poster ça sur son YouTube. En mode post-YouTube. Communauté. C'est beau gosse ça. Hop, publié. Et ça c'est discret. Il va pas le voir tout de suite je pense. Je suis mort. Voilà, c'est sur la chaîne de Michou. C'est officiel. Déjà 2 likes, le buzz. Donc là, quand tu vas sur la chaîne de Michou, tu vas dans l'onglet communauté. Oh là 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 là. On est là, on n'est pas là. Mais c'est que ça commence à sentir bon ici. Oh là 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 là. Petit instant ASMR. Tout ça, ça va finir dans mon ventre. Mais voilà, fais pas des trucs comme ça, toi aussi, là. Ça va, frérot, en tu fais quoi? En fait, j'ai même pas eu peur, hein. Je fais le savais, je t'ai entendu. Tu fais quoi? Bah, je me balade et j'écoute, enfin, je me balance et j'écoute de la musique. Tout quoi. Est normal dans ta vie? Tout est normal dans ma Tout vie. Tout est bien? Tout est bien. Il se passe pas de trucs louches? Non, pourquoi? Je sais pas. Tu me fais peur, là. T'as fait quoi, gros? Non, j'ai laissé mon PC allumé. Non, je sais pas. Non? Non. Je pense pas, hein. Arrête. Non, je pense pas. Non, arrête. T'as fait quoi, gros? J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est vrai? Juste, je suis venu te prévenir que ton PC est allumé. Merci. Voilà. T'as rien fait? Mais j'ai rien fait. Ok, t'es un bon gars. Et voilà, t'es le meilleur. Pas de soucis, gros. J'espère que ce serrage de main, il n'y a pas de traite. Il est quasi sincère. T'as fait quoi, gros? Quasi sincère. T'as fait quoi? Y'a rien, gros. Ouais, y'a rien. Chaîne secondaire. Comment veux-tu que j'ai accès? J'ai pas accès à ta chaîne secondaire. Qu'est-ce qu'il y a, Inox? Mais dis! Bah, je sais pas, on devient parano. Inox. Inox. Inox, tu m'expliques ça? Wouah! Ah! Vire le vide, ça. C'est à toi. Tu le bois, tu le finis. Ouais, c'est ça, ça me dégoûte. Oh, c'est dégueulasse. Ah, dedans, il y a Tchernobyl à l'intérieur, gros. Dégueulasse, gros. Oui, j'aimerais bien acheter une caméra qui fait le tour comme ça. 360. J'en ai une. Là? Non. Tu pourras la montrer après. Vas-y. En attendant, je passe une petite dédicace à ta maman. Ah ouais. Et régime après. Coucou maman. Je fais des gros c'est bisous. T'as un message à dire à ma maman? Bah ouais, je vais essayer de faire régime après les vacances. Désolé Doge. High kick hein. High kick, tu retires le bouchon. Non, 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 qu'est-ce que tu fais là? High kick, tu retires le bouchon. Mais arrête, wesh, t'inquiète, j'ai rien fait, gros. Tu m'as niqué plus qu'autre chose, gros. Mais c'est pas ça le but du jeu, c'était pour. Bah non, mais gros, mon téléphone. C'est quoi le but du jeu? Salut, moi c'est Bouzeux. Je suis un rageux. Salut, je suis Michou. Moi, c'est le boss. T'as vu ça? Vas-y, Inox. Donc, sur le Inox, vous allez sur son YouTube, il y a une story. Donc, ça, c'est la story où il y a pub les vacances. Michou goûte. Mec, c'est. Franchement, c'est introuvable. Une story YouTube, c'est introuvable. Ouais, j'avoue que c'est chaud en vrai. C'est introuvable, bien joué. Il le verra jamais. Il hein. Le verra jamais. Il le verra jamais. Séance photo, ma petite gueule pour Acer, MRC, Predator. Ils sont là. Hein. Allez, pose comme si t'étais une chouin là. Fais-nous des poses sexy. Ah, c'est pas plus mal peut-être. C'est pas mal. Ça va passer. Dans c'est ça qu'on donne au roi. Et merci Predator, et merci Acer. Merci Acer. Dans la vie, il faut qu'on se complique. C'est comme... Oh.
C'est comme ça qu'on fait dans le jardin. Quel beau gosse. À vous, tu contractes tout ton corps. L'envers du décor. Yo les gars, c'est Valouz, on se retrouve aujourd'hui pour une dégustation de burger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Valouz, mettre un pouce bleu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au Maroc. Comme d'habitude, comme Valouz m'aime bien, il met mon nom dans tous ses titres. C'est très bien. Je sais plus quoi dire, c'est bizarre. Mais... En tout cas, nous sommes ici, dans la villa des Croutons au Maroc, posés dans l'axe, carré dans l'axe, totalement. On est très carré dans l'axe, en tout cas, merci à tous de regarder nos vidéos. Vous nous donnez de la ce fort, et on va tout faire pour vous la donner en retour. Sur ce, vous êtes les meilleurs, je vous fais des gros bisous tout le monde. C'était l'instant Inox Tag Man. T'es un bon toutou, toi. T'es où? Toi, t'es un bon toutou. Ah bah, ouais. Regardez-moi celui-là, ce petit toutou-là. Ah là là. Ah, t'es nul. Des bons toutous tout ça. Je peux pas live, il a plus de batterie. Ah, t'es un bon toutou toi aussi. Bon là ça va plus du tout là. Je suis carrément pas d'accord. Regardez, y'a qui dans le hamac là? Bah quoi? Mec, je suis pas d'accord. J'ai jamais mis dedans. Gros. C'est mon hamac. Il est trop confortable. T'es bien là? Là avec cette chaleur et tout, c'est idéal en dessous de l'arbre. Proba, tu me le donnes, tu me laisses. Non, proba, non, inversement. Proba, c'est mon hamac. Quoi? Proba, c'est mon hamac. Attends, c'est moi qui te lance la proba là. T'essayes de me douiller là. Proba, c'est mon hamac. Non, non. Pour le moment, c'est le tien. C'est-à-dire, si je perds, c'est le tien. Si je perds, je me lève et je te le laisse. C'est vrai? Par contre, si je gagne, c'est le mien à vie. Ok. Pendant toutes les vacances, c'est le proba mien. 10. Proba 10? Ouais. T'as pas de couilles. Bah non. Vas-y, je vais t'avoir. C'est mon hamac. T'es prêt? 1, 2, 3, 5. Yes! C'est moi, ma gros! Bon, j'avoue, j'ai joué 10, j'ai pas eu de couilles. Parce que t'es juste le boss en fait. Le Valo, ça fait 10 ans, il me dit ça. C'est toi le boss. Yo les gars, là on va faire un jeu qui va durer une semaine. On va nous donner des papiers, il y aura des gages et on aura une semaine pour faire le gage à celui qu'on doit le faire. Celui qu'on doit le faire. Je vais vous donner un exemple. Dajna, elle va avoir un gage sur le papier. Elle doit. Je sais pas moi, mettre le bouseux dans la piscine et elle aura une semaine pour le faire sans qu'il s'en rende compte. C'est une son de merde quoi. Non, ça va, ça va. Donc du coup, dès qu'on tue quelqu'un de qui fait le gage que tu lui as fait, tu récupères son papier, tu dois le faire à celui qui a. Et comment tu le tues, Inox? Bah s'il fait le gage, tu vois. Tu sais vraiment pas expliquer, tu rends fou. Et le but, c'est d'être le dernier survivant. En gros, les gars, je résume. En fait, tout simplement, pendant une semaine, ça va être Secret Story à la maison. C'est on aura tous un gage à faire et il faudra pas se pister quand on le fait, tout simplement, voilà. Alors, j'ai ça avec ça. Vous êtes de venir nous voir individuellement si vous comprenez okay. Pas. Ok, donc je dois faire le gage à lui. Trop dur. Et attention, le gage. Après, vous avez une semaine. Hein. T'as quoi toi? Ouais, c'est trop dur. J'ai lu l'autre. Oh, mais moi, c'est oh c'est bien. Je sais pas si vous voyez. Oui, ça va. Eh, vous-y. Convaincre le père d'une course de vitesse envouée dans la piscine. Ouais. Vous, donne le cendrier là, vite fait. Quoi? J'ai besoin des cendriers, je fume des clopes. Qu'est-ce qu'il y a? Velouz, il est dur ton gage. Elle est trop dure. Ah ouais? Ouais. Moi, elle est trop dure aussi. Bah, je peux pas te dire, c'est donc ça. Toi. Passe-moi un cendrier, Doge. Ça va être trop bien cette semaine, la vie! Je pense pas que ce soit un truc aussi simple que son ton gage. Merci beaucoup, Mich. T'imagines, c'est vraiment Mijou. Et là, je le tue direct. Mich? Ouais. On fait un foot après? En vrai. On fait un foot après? Non. Tu veux pas faire foot avec moi? Non. Mec, viens avec les lunettes, on essaye de... d'aller jusque là-bas. Ils sont d'art les crocodiles, ils sont petits gros. Ouais, regardez les gars, ça. Ils nous ont acheté des crocodiles. Mais mec, moi je tiens pas dessus. Hein. J'avoue, je tiens pas dessus, frère. Ouais. Il est là, le bousito de la muerte. Moi ça glisse. Mec, ça doit être chaud à tenir dessus en vrai. Mec, t'as l'air de saquer avec. Lub, je t'ai baisé gros. Non. Mon défi c'était de te demander de faire une course en bouée. J'ai fait. Je suis mort. Je peux rien faire. Tu dois me donner ton papier sans dire aux autres. C'est quoi ton gage? Tu dois faire sauter Doc dans la piscine après 2h du mat. Après 2h du mat? Après 2h du mat, ça peut être à n'importe quelle heure. Vas-y, on le fait à deux. On le fait à deux. Il m'a troll en 2 secondes. Mec, 10 minutes au chrono. Mec, j'étais. Attends, on a fait le tirage, je suis parti, j'ai vu le bouseux éliminé. Quoi? Tu me sers un verre d'eau?
Ta gueule. Il a sorti la caméra. C'est quoi? C'est impossible, ta gueule. Les choux? Non, ta gueule, c'est impossible. Tu veux que je le dise? Tu me fais stresser là. Théo! Il y a un robot. Tu mens. Théo! Il ment là. De quoi? Mais non, il me fait stresser. Il m'a ramené un verre d'eau. Alors déjà, je t'ai ramené une bouteille. Une bouteille d'eau plutôt. C'est pareil, il m'a ramené de l'eau. Quoi, mais c'est vraiment ça, ça compte, non? Non. Ça compte? Je dis rien. Tant qu'il n'y a pas de message dans la compte Twitter, c'est qu'il y a... Moi, j'ai 3 pages, tu peux en faire. Tu mens. Bah bien sûr que je mens, gros. Les gars, Michou, il se fait faire une petite beauté. Regardez-le, là, le beau gosse. Arrête, aïe, je suis en train aïe. De chialer, là. Adieu, le M de McDonald's. Les gars, nous avons un kill. C'est pour ça que c'était dégueulasse. Tu l'as killé? Le pagri. T'as fait quoi? Mec, il me dit, vas-y, je vais te servir de la grenadine. En plus, c'est rose, donc je vois pas s'il y a de l'huile ou quoi. Oh, le bâtard. Attends, quoi? Mec, j'ai bu, c'était dégueulasse. J'ai fait ça, c'est pas de la grenadine. Et après, je le vois partir avec, Théo, je fais... Oh merde, oh merde. C'était quoi ton intitulé? Tu devais faire boire un mélange à... Facile, ah ouais. Non, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. Bon, tous au karting. Direction le karting, les gars. Eh, hey, Bouzy, tu vas nous défoncer ou pas au kart? Oh là là. Parce que les gars, Bouzy, c'est vraiment le king bon, du mais kart. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. C'est le boss, mec. Une fois, j'ai fait un kart avec lui, il m'a mis 5 secondes. Ouais, mais bon. T'es le boss. Plus léger que toi. C'est vrai. Bon, les gars, on arrive au kart. Et ce qui est bien, c'est que bah, pour la première fois de ma vie, je vais faire un kart avec un coucher du soleil parce que le soleil est en train de se coucher. Donc je pense qu'on va rouler carrément dans le noir, mais c'est éclairé. Hein. On va voir ce que ça donne avec... Il y a des feux sur le kart apparemment. Il y a des feux sur le kart? Je vois pas de feu, frère. Merde. On a un éliminé, un troisième, après le bouger après Michou. Dobby, tu t'es fait éliminer par qui? Par Dej. Par Dej. Et c'était quoi le gage? Je devais lui dire mon secret. Et tu l'as dit? Ouais. En fait, je voulais échanger parce qu'il y en a, je sais qu'ils le savent, les autres secrets. Donc, du coup, on a eu comme ça, mais il y en a d'autres qui savent vraiment les secrets d'autres et ils ont pas le droit, tu vois. Du coup, ça veut dire que Dej, elle a comploté avec Doc. Tu veux que je te dise non, non? Je vais travailler au corps, bon. On travaille ce soir au corps. C'est qui? Bon, alors, moi, ça va être Jazzy. Ouais. Et je dois le faire plonger dans la piscine à 2h du matin. Ah ouais. Et en gros, ce soir, j'ai proposé Rooftop. Ouais. Et je vais proposer un bain de nuit. Ouais. Bon, bah. Cible suivante, hein. T'as déjà conduit de nuit? Non. Moi non plus. Ça va être une expérience. Oh, c'est la piste. Oh, oh, oh. Alors celui-là, mon gars, ce truc-là. Ah ouais, je peux dire que là, ça va aller vite. Parce qu'en fait, en gros, là, tu vas accélérer. Et si tu arrives à ne pas décélérer, tu prends celle-là à fond de balle. Valouz, c'est le coach. Ouais. Malheureusement, je suis nul au kart parce que je suis lourd. C'est mais Valouz, c'est comme moi, c'est un fan de F1. Irox Schlag. Les Inox Schlag, ils sont gourés. Les Inox Schlag. J'ai confondu mon N et mon R. Eh, de nuit, c'est pas mal, hein. On échauffe les pneus. Qui a fait un tête à queue que j'ai tapé dedans comme un malade? C'était avec moi. Ah, c'était toi qui as fait un tête à queue? T'as fait un tête à queue? Bah oui, il y a Inox. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu fais un tête à queue? Et je fais un tête à queue. Et moi, j'arrive à full balle. J'ai tapé, j'ai failli voler du kart. J'ai vu ton corps partir. Je me suis dit, là, tu t'en vas là. Je me suis niqué le dos. Tu m'as regardé, gros, je t'ai vu foncer dans le mur. J'ai tapé une balle. Mec, ça m'a surpris, gros. J'ai vu le mur, j'ai fait oh merde. Je t'ai vu foncer là, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fait?
T'as fait une 4 toi. Mais chaque tour j'ai dégainé en plus. Ouais, t'as fait une 4. Et deuxième ? Moi, une 6. Une 7. Une 7, une 8, une 8. En fait, on fait tous nos meilleurs tours à la fin quoi. C'est là que tu vois que. Eh, Proba, tu mets ça au resto. Proba, 7. Oh, vas-y. Et tu vas en cuisine. 1, 2, 3, sous. Oh merde, je sous. Sous. Il a dit sous. Sous. T'allais dire 6 ou 7. Ok, on est d'accord. Reverse. Ok, reverse à 5. Vas-y. 1, 2, 3, 3. Oh yes. Attends. Allez, Malouze. Charlotte, la honte. La honte. Bon bah les potes, en fait on va manger ailleurs. Mauvais bail parce qu'on s'est fait têche parce qu'on a des caméras. Et on n'a pas le droit de prendre les caméras dans le restaurant, c'est pas pourquoi. Donc, voilà. Donc la Charlotte, voilà, c'est pour une prochaine fois. Hein. Putain, du coup j'ai trop le seum. Juste une photo. Juste une photo, monsieur. Proba, tu gueules. Tu cherches, tu cherches. Je suis Michou. Au milieu de tout le monde. Ok. Proba 7. Vas-y. 1, 2, 3, 3. Reverse. A 5. 1, 2, 3, 2. Bon, bah, on va aller manger au Chili's, mon gars. Ouais, vas-y. Le pouce 2. Ça va, gros. Bon, allez, ça va dégommer au Chili's, les gars. Et les gars, est-ce que vous pensez qu'on va être posé au Chili's? On va être chill? Viens, maman. On va revenir, non? Viens, on l'enlève de la team photo. Ouais. Maintenant, c'est que Valouz. En fait, dans la soirée, il n'y a pas de Valouz. Ouais, c'est fini. Mais les gars. Arrête de filmer, on n'est plus dans ta team. Attends. Les ennemis réunis, main dans la main. Gros, mais on n'est plus ennemis! Ça. Combien d'avant? 50. J'étais passé les 50. Donc ça y est, t'as gagné. 56. C'était le premier à 50, donc t'as gagné. J'ai gagné. 56. Non, mais c'est incroyable. 56 000. Oh, j'ai. Oh, ils ont Babacam 75. Ils ont créé 56. Babacam-fan. Il a son compte fan. Il a son compte fan. Et Debi, toi, t'as combien? 41,6. Tu t'es fait battre à plat de couture, mais bon. C'était une bonne bataille quand même. Ouais, pas grave. Nouvelle bataille, les amis. Ah, ça donne quoi d'ailleurs? Doc vs moi, le premier à 250 000. Valouz 222 et Doc 221. T'es pas loin. Oh là là, 222, 221, le premier à 250, les gars. 80. La guerre commence officiellement. Ça, c'est pas. Qu'est-ce qu'on mange? Ouah, mais what the fuck? Des ribs gros comme ça, mais ça je t'aime. Ça c'est une folie. J'ai bloqué dessus aussi. C'est une dinguerie, frère. Franchement, il y a des bêtes de burgers, hein, les gars. Mais j'en mange toute l'année. Et je vous avoue, des ribs de bœuf. Si tu termines ce burger là, non, mais j'ai pas faim en fait. Ah merde. Là, j'avais envie de goûter un truc goûtu et j'avoue ça. Ça. Des ribs de bœuf. Non, mais ouais, je craque sur ça là. Oh là 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 là. Ouais, mec, je vais le dégommer comme jamais. Oh là 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 là. Il est monstrueux. Ah ouais, t'es là, Le roi du chef. Il est là. Bouzy est en train de l'attaquer sévère. On l'entend plus, je suis toujours pas servi. Il a déjà bouffé la moitié de son burger. Une tuerie. Une dinguerie. Oui, une tuerie, mec. Une tuerie. Ça, c'est le resto coup de cœur du frérot sur Saïd. Le Chili's. Alors, Mich. Bon, bah, mec, tu vois, au final, bon. La viande, c'est un peu saignant. Bon, hein. Ah ouais, il est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Il me donne envie avec leur burger, en fait. C'est pas du tout mon anniversaire. Il m'a complètement troll, son culé. Hey, ça m'a chamboulé à un moment. Mais moi aussi, ça m'a chamboulé. Quel enfoiré. C'est l'anniversaire de Valouz. Ah, c'est l'anniversaire. Non,
Merci beaucoup, c'est ça fait plaisir. Merci. Bon bah je vais goûter ma viande, c'est t'es parti. Bah, j'étais mort. Alors allez, comment la viande? Ça sert à rien. T'as les deux assiettes. C'est quoi ça en fait? Ça dégustation de tomates confites à façon chili. Ah ouais, c'est pas mal hein. Ouais, faut goûter les tomates confites. Ils ont vraiment foutu une bougie là-dessus quoi. Et tu m'as tué. Et au même moment je démarre ma caméra en plus. Hein. J'attendais mon assiette moi. C'est vraiment. Tu leur as dit quoi? Tu leur as dit. C'est vraiment. Elle a mis ma mère, j'en peux plus. Putain. Regardez comment c'est temps, ça s'arrache. Ça a l'air trop bon ce truc. Les gars, Dot il m'a eu. Dot il m'a eu mais je l'ai un peu amer en vrai. Hein. En vrai beau gosse. En vrai beau gosse parce qu'il devait me faire goûter des piments de la villa. On est dans un resto à l'extérieur de la villa. Il les a ramenés dans son sac et j'ai croqué dedans. Bah, franchement, je l'ai juste fissuré parce que Saïd y a croqué dedans et je pensais que ça faisait du resto. Ce bâtard, moi je voulais juste te suivre toi, enfoiré. Bah. En fait, je pensais qu'il me prenait pour un con et qu'il disait que c'était des tomates confites. Ouais, ouais, mais je savais que c'était un piment. Je savais que t'allais cracher direct, tu vois. Ça vient de la ville d'avant. Ouais, ça vient de la ville. Les gens qui les ont ramenés. En fait, j'ai demandé à Christine de me les filer. Et dans sur la route, j'ai demandé à Saïd d'aller filer un serveur. T'es vraiment un enculé, Saïd. Mais franchement, je pensais que t'étais mon gars sûr. À la fin de la journée, s'il te plaît, Saïd, il faut absolument qu'il craille ça. Je pense pas craille. C'est pas toi en vrai, en vrai. Après, ça, c'est impossible. Bah là, je pouvais pas savoir. En plus, mec, en plus, il me fête mon joyeux anniversaire et tout. Je pensais que c'était genre la tradition, tu sais. En fait, je sais, tu peux pas savoir. Mais sur ce, je vous dis merci pour tout, comme d'habitude. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Je croyais qu'on allait s'embrasser. Tu t'as tourné la tête. Ouais, que je voulais gueuler dans ton oreille de base. Bah ouais, tu m'as. Et puis, à demain. C'est pour ça que...